نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله تغادي تهلوس الله سبحانه وتعالى. Celui qui pense aux bénédictions, celui qui pense aux décrets, celui qui pense aux faveurs, nous fîmes témoigner un mois de Ramadan. Frères et sœurs d'Iman, en tant qu'un musulman, chaque fois nous disons qu'on est qu'Allah Rabbul Alamin qui fit nos bonnes relations, nos salatiers, afin qu'il nous fasse un travail particulier. Un musulman, frères et sœurs d'Iman, cela vit nos salatiers, il n'est pas capable de ressembler à la vie d'un kuffar. Un musulman se passe son assiette au salatier là, il n'est pas capable de parler comme un façon assiette d'être kafir. Frère et sœurs d'Iman, en tant qu'un musulman, chaque fois nous disons reconnaissons envers Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois nous disons reconnaissons Allah Rabbul Alamin pour faire qui nous fait faire le nous. Quand tu t'es dit, mon frère et sœurs d'Iman, aujourd'hui dans la place de Pétallah, mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous trouvons sa bande, tu m'en la Pétallah, mais avec idole. Au contraire, et la famille savante du monde là, je suis capable et la plus grande certificat qui nous, je suis capable et la plus beaucoup l'intelligence qui nous, mes frères et sœurs d'Iman, banana n'a pas pour qu'un tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala, banana n'a pas pour pétale la main avec idole, banana n'a pas pour pétale la main avec grosse ou bien avec pied. Donc, frères et sœurs d'Iman, favez qu'Allah Rabbul Alamin qui fait le nous, le fait qu'il me reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il me fait sajda pour Allah Rabbul Alamin, le fait qu'il me fait sa ibada pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, frère Cheikh et l'Iman, c'est ça même qui grand faveur qu'Allah Rabbul Alamin qui fait de nous. Et en tant qu'être musulman, frère Cheikh et l'Iman, nous vis à connaître qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala qui nous crée nous. Allah Rabbul Alamin dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mon n'a pas créé aucun djinn et insan, excepté pour qui je te fais à mon ibad. Donc, frère, c'est que l'Iman, nous venons au salatier là. Le fait qu'il y a Allah Rabbul Alamin qui nous fait faire, nous passe un séjour pour l'eau sur la terre, c'est qu'il a fait nous faire l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ce moment-là, frère, c'est que l'Iman, l'adoration à Allah Rabbul Alamin, si vous ne faites mal pour moi, et non, si vous ne faites penser qu'ils disent faire 5 fois soit la cause ou bien dans nos affaires dans le mois de Ramadan, ou bien à faire Hajj, ou bien tiens à garder, c'est ça même qui regarde Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, frère, c'est que l'Iman, ça qui nous fait citer là, il faut une partie de la ribade d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement il y a une autre partie, et sa majorité musulmane n'a pas fait bon compte. En réalité, ribade d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il y a en même temps qu'il nous fait sur l'adoration, en même temps qu'il nous adore Allah Rabbul Alamin, à travers la ribade ou bien à travers la bonne action, en même temps, frère, c'est que l'Iman, ribade d'Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire qu'il nous reste avec beaucoup de grands péchés. Ribadat Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps qu'il nous fait obéir, qu'il nous fait faire bonne action, en même temps nous disons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'en rester avec pas de mauvais action, d'en rester avec pas de péchés. Mes frères, chers et mes imams, à ce moment-là, quand je suis musulman, je ne t'ai pas, je peux faire 5 fois soit la cause ou bien je peux aller voir Allah Rabbul Alamin pour ma visa, mais seulement les gens qui ont de la vie, nous trouvons qu'ils ont de la vie, mais quand on est dans le Sina, nous
là qui vient tremper dans l'intérêt, ou bien nous trouver qui va la paix commerciale tellement grave qui Allah et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient empêcher. Allah va vous l'alamin ou l'achète et l'aïman, l'aïmé des crèves à l'oubli ni j'ai ou l'aïmé ni j'ai chani ou la tabaï ou l'aïmé ou l'aïmé. C'est tellement bon l'oubli, bon qui vient à mes iman de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon qui reste nous avec bon grand PC. Qui reste avec pas de chose inutile, frère Cheikh Naïman, en tant qu'être musulman, nous vous imposons nous-mêmes la question, pour les migrants maternels jusqu'à la N5, combien d'adoration Allah subhanahu wa ta'ala va-t-il faire? Ou bien, frère Cheikh Naïman, si nous prenons parole de Omar, nous vous imposons nous-mêmes la question, pour les migrants maternels jusqu'à Astéla, qui tente de désobéissance, Allah va vous l'alamin va-t-il faire? N'a pas fait cause m'empêcher. Banti pèse qui nous fait avec nous la main, ou bien Banti pèse qui nous peut faire avec nous la langue. Frère Cheikh Naïman, comment est-ce qu'il y a un musulman qui est capable de reconnaissant via Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce qu'il y a un musulman qui est capable de dire lui à nous Allah au bout de la vie? Il y a un prié pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand en réalité, sa musulman n'a pas désobéi à Allah au bout de la vie. Frère Cheikh Naïman, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des bandes qui restent avec bandes grand PC, comme bandes qui vous gagnent Jalina, Allah va vous l'alamin, il dit, Intelchani Boukaba et Romain d'une Hauna Andu, nous gaffer l'Ankum Sayyi Adikum, wa nous prédoukum ou l'Khalam Karima. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si je ne fais pas grand PC, si je finalement empêche de ça, nous vous effacez, nous vous pardonnez de ce bandit PC, et nous vous faisons ce droit de Jalina, frère Cheikh Naïman, l'adoration Allah va vous l'alamin. C'est pas juste physiquement, mais c'est aussi mentalement, c'est aussi, c'est-à-dire le misère contrôle nous marchons. Tant qu'il nous restons avec un PC, en réalité, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, frère Cheikh Naïman, si ton PC est grave, si tu n'as pas fait cause grand PC ou bien petit PC, mais nous fait cause PC en général, si ton PC est grave, frère Cheikh Naïman, qui se l'est fait nous pourri de l'Unia, se l'est fait nous pourri de l'Akhira, se l'est fait nous pourri de l'environnement qui nous fait vivre, et se l'est fait nous pourri lui-même de nous la case. Allah subhanahu wa ta'ala, frère Cheikh Naïman, les diables m'ont dit, Allah wa Rasoula, faradallah wa la la moubina, celui qui vit de ce pays, Allah subhanahu wa ta'ala et ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam c'est tellement les victimes dans un négat en clair. Frère Cheikh Naïman, ça a dit pour Allah, Allah wa Rabbul Alamin n'a pas fait la différence en grand ou bien petit PC, mais n'importe qui s'en a qui peut désobéir Allah wa Rabbul Alamin, ça dit qu'on n'a pas fait catégorisé pour un qui est égaré au clair pour Allah subhanahu wa ta'ala. Frère Cheikh Naïman, qui s'en a tombé gagné sa titre avec Allah Rabbul Alamin, qui s'en a tombé quand Allah lui met des bouddhas divines à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin dit que dit comme un égaré au clair. N'a pas fait du frère Cheikh Naïman, mais moi des man ça dit les djibounlos salariés qui se la vivent trempés en paix et grabadés jusqu'à dans deux. Ça dit nous n'a dit n'a pas voulu gagner sa titre avec Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, frère Cheikh Naïman, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a pour tout parole de Ibrahim alayhi salam, que tu dis à son papa, Ya abadi la ta'abudi shaytan, inna shaytan la kana de Rahman et Asuya. Oh mon papa, n'a pas alors shaytan, quand certainement shaytan il vient être désobéissant envers Rahman, quand certainement shaytan il vient être désobéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, c'est qu'il est imam, n'importe qui tu fais ses limites dans ta tête. N'importe qui tu fais ou penser, ou bien n'importe qui grand PC ou capable d'imaginer actuellement, n'importe qui s'en a dit faire une action pareille, ça dit nous n'a libéré sans des shaytan, parce que shaytan dit qu'il désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, c'est qu'il est imam. En tant qu'un musulman, il ne faudrait pas qu'il nous gagne une ressemblance avec Shaitan. Mais en tant qu'un musulman, nous devons suivre parole Allah et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il fait un manche au bon sein avec les pires. Que les frères Cheikh et l'imam, chaque fois qu'il nous peut faire un PC, en réalité c'est un point noir qui peut vivre l'eau de l'écrire. Il fait, t'as pas vous fait une bouffe de l'écrire l'eau. Mais déjà le communiqueur de notre religion, nous trouvons les pierres pour les rouges. Mais comment est-ce qu'il est capable d'imaginer ça? Mais déjà ça pour un mort qui a l'air pour l'alamine, mais maintenant.
sa même qui peut en baisse bas dit qu'on retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois qu'il nous fait un peu ses frères chers qui n'ont iman, chaque fois sa voix est d'arriver augmenter, c'est ce qu'il nous fait même les vins noirs. Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Inna l'abda il a akhtara fi atal nukita fi qalbihi nuktatum sauda. Certainement, quand un serviteur lui commet un péché, un point haut lui prend place dans ce si nous pouvons trouver qui s'appelait son bébé,
sa Coran nous peut essayer à prendre, mais seulement depuis janvier nous peut prier. C'est la cause des vies de sa persécution de nous la vie là. Frère cher que l'imam, en tant qu'un musulman, nous visons un petit peu de gens envers Allah au bout de la vie. Nous supposons l'ignorer Allah subhanahu wa ta'ala comme un musulman qui s'insère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute ça même, frère cher que l'imam, vous montrez-vous les faits qui pèsent là, qui même de la vie un couple, même de la vie un couple, tant qu'il y a un ordre de les faire pèser, qui s'arrête à les faire la vie sa couple là. Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, n'a pas des personnes qui font contre un à l'autre et qui se font séparer, excepté par ceux qui aiment entre les deux filles. Frère Cheikh et l'imam, ou en vie qui dans la case ou bien dans l'harmonie conjugale, ou en vie qui prennent quand on rentre dans la case ou bien un armé, ou vient bien avec une madame, ou en vie qui prennent dans la case, nous gagnons des médias et n'a déjà le compte papa avec les enfants, ou bien nous gagnons déjà le compte chifi avec maman. Alors frère Cheikh et l'imam, si nous faisons pour ça, va de séparation là, si nous faisons pour ça, va de fissure là, de la case, nous faisons pour ça, va de fissure là, de la relation parents-enfants, connaît qui c'est la cause, mais c'est qui aime en délire, vite comme elle. Frère Cheikh et l'imam, en tant qu'un papa, quand tu te vois, est-ce qu'il nous-mêmes, nous vîmes prendre la peine pour les nos enfants pour vivre Fajab. En tant qu'un papa, frère Cheikh et l'imam, quand tu te vois, nous vîmes pour nos enfants, il fait casse-pour. Nous finissons gagner un goumas pour Djali. Oh, vous mettez à sa télévision, nous n'avons pas de haram. Mais nous allons nous faire cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Frère Cheikh et l'imam, mais le contraire, c'est livré. Quand tu te papa, est-ce qu'il veut même libre prendre compte, conscient de ce qui peut passer dans la case. Quand tu te papa, vous dites, c'est ici qui vous a fait cela de Fajar. Mais ce garçon, ou bien ce béni, ou bien même ce madame qui gagne, doit rester dormi. Frère Cheikh et l'imam, c'est la cause à la désobéissance. C'est la cause sa bande manquement au clé là qui nous trouve sa bande, qui nous trouve sa bande relation à Bénédia Yoré devant la garde de Salman. Frère Cheikh et l'imam, sinon on vivrait même de la garde et vient un arbre de paix. Sinon on vivrait même de la garde et tomber la garde au soul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors en tant qu'un papa ou bien en tant qu'un miché, nous visons même de l'autorité de l'autorité, nous visons même de l'autorité de la garde, nous visons même empêcher sa bande PC là ou bien nous empêcher sa bande manquement. Passer devant nous niger là. Frère Cheikh et l'imam, en tant qu'un musulman, faudrait pas qu'il nous vive comme si, faudrait pas qu'il nous vive comme si, les gens pareils, comme on va nous faire, les vivre comme ça là. En tant qu'un musulman, nous connaissons qu'un jour nous pourrons dégoûter le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour nous pourrons rendre compte des reins de reins devant Allah subhanahu wa ta'ala, un jour nous pourrons rendre compte de qui est la responsabilité pour nous. Frère Cheikh et l'imam, ben, qui sont sous nos responsabilités, nous n'avons pas le rendez-vous par Nazi, nous par madame ou bien nous par enfants. Alors, frère Cheikh et l'imam, moi, un d'un ton chauffeur, pareil pour moi, nous finissons vivre Ramadan par restaurant avec Ban PC. Pour nous, ça même après le mois de Ramadan, frère Cheikh et l'imam, nous faisons un effort, nous restaurons avec Ban PC. Nous faisons un effort, nous restaurons avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, nous faisons un effort qui nous rapproche avec Allah Rabbul Alamin. Frère Cheikh et l'imam, en réalité, PC se défait, ni même qui même temps qui est pas mal, si vous ne pouvez faire PC, ça va PC la même qui vit une source de tout ce mal malheur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma asabakum min musibatin fi bima kasabat aydikum. Et n'importe qui malheur qui vit tout seul, c'est pas ce qui se blâme et vit à guérir. Mais j'ai fait ce qu'il est imam, si tu mets pour pas là, que vit dans nous, si tu mets pour musibat, non musibat, que vit dans nous la vie, c'est capable d'importer. Frère Cheikh et l'imam, si nous faisons prouver ça, nous faisons gagner un problème. Chaque fois que nous la case, nous avons un problème. Chaque fois que nous travaillons, nous faisons gagner un problème. Chaque fois que nous finances, nous faisons gagner un problème. Alors, frère Cheikh et l'imam, essayez de réviser nous la vie. N'a pas vite commencé à être un bâtiment qui, comme si nous pouvions vivre au jour le jour, non. Mais nous vîmes pas nous seulement qui s'insère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous révisons nous la vie, frère Cheikh et l'imam. À danger de nous la vie et à certaines bâtiments PC.